Alors, le percement de Caroline, c'est un aboutissement, en fait. C'est l'aboutissement donc, de plusieurs années d'études, évidemment. Et puis là, donc, on a le tunnelier que l'on suit quasiment jour par jour dans son avancement. On le voit enfin réapparaître et découvrir que toutes les années d'études et tous les efforts qui ont été avant arrivent ce matin à Anthony Paul. C'est une première étape, c'est un événement évidemment puisque c'est le premier percement de la ligne 18. Là, on traverse la gare d'Anthony Paul, on passe à proximité des ouvrages 7, puis de l'ouvrage 6 et enfin de l'ouvrage 4-5. Mais voilà, le chemin est surtout devant nous, plus que derrière aujourd'hui. Cette étape, il y a trois phases. La première, on voit la route coupe percer la Porte Moulée, mais le tunnel n'est pas encore fini. Hein. On va encore mettre une grosse semaine pour terminer l'ouvrage, puisque là, je dirais que le trou est percé, mais le revêtement n'est pas encore terminé. C'est quand même une belle étape parce que on arrive au bon endroit, le tunnel est bien démarré. Je pense qu'il y a un travail de qualité qui est fourni, mais on a pu voir, on annonce encore 5 km de creusement, donc on voit plutôt ce qui nous reste à faire que ce que l'on vient de réaliser.